Et bienvenue dans cette rubrique de chronique de bande dessinée. Aujourd'hui, j'attaque avec N'embrassez pas qui vous voulez de Marzena Sowa et Sandrine Revel aux éditions Dupuis. Alors, Marzena Sowa, c'est toujours l'auteur de la série Marzi, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle nous contait son enfance. Donc là, elle nous propose un nouvel album qui, comme le dit le titre, N'embrassez pas qui vous voulez, commence à cause d'un baiser. Un baiser donné dans un cinéma pendant un film qui passe sur la vie de Joseph Staline. Nous sommes en Pologne. Staline est vivant, c'est la guerre froide, mais c'est surtout une dictature et la surveillance de tout le peuple. Et à travers ce tentative de baiser, la jeune fille va avoir un petit effraiement, et donc on arrête la séance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a crié et pourquoi? Et à partir de là, les adultes qui questionnent les enfants, et à travers ce récit et les questionnements sur les enfants, on voit la mainmise de l'administration, de cet appareil étatique qui surveille tous les individus qui vivent dans le pays. Aux éditions Casterman, en collaboration avec les éditions Rivage, Christian Demeter nous offre l'adaptation d'un roman de Douglas Kennedy, Piège nuptial. Alors, le précédent opus fait par Christian Demeter, vous en souvenez peut-être, il s'agit de Shutter Island de Denis Lehane, qui a été lui-même adapté par Martin Scorsese au cinéma. Donc, très très bonne adaptation par Demeter. Et à nouveau, encore une excellente adaptation, cette fois-ci, de Douglas Kennedy. Alors, l'histoire, elle est toute simple. Un gars part en Australie, comme ça, pour le fun. Et puis, par concours de circonstances, il va se retrouver avec une autostoppeuse dans son véhicule. Et cette autostoppeuse est assez, on va dire, elle est très ouverte. Et tellement ouverte que bah voilà, ça va devenir très coquin. Et youpli, youplala, on s'envoie en l'air et tout. On se fait plaisir l'un à l'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, notre protagoniste se retrouve dans une piole toute noire, juste une espèce de cabane comme ça. Et il est attaché, il a très mal au crâne. Et il est en plein milieu du désert australien. Et il est marié officiellement à l'autostoppeuse. Et il se rend compte qu'il va avoir beaucoup de difficultés à se sortir de ce mauvais pas. D'où le titre, Piège nuptial. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine.